Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans quelques minutes, on va commencer une petite séance d'entraînement spécifique golf. Donc je vous donnerai toutes les informations. J'attends que tout le monde arrive d'ici 2 minutes, que tout le monde ait une bonne paire de baskets et aussi sa petite gourde d'eau. Éventuellement, quelques petits accessoires, mais pour aujourd'hui, vous inquiétez pas, votre salon et votre corps va me suffire. Je laisse arriver encore quelques retardataires qui ont dû aller mettre le short en dernière minute. Et je suis à vous d'ici 1 minute. Donc, comme je vous le disais, comme ça a été annoncé, je dois remercier amplement le Journal du Golf et toute son équipe pour ses initiatives. De live, parce que c'est vraiment extraordinaire. Vous avez vu cette semaine Lewis, Guillaume, Rémi. J'ai la chance maintenant de vous rentrer dans la petite équipe et de faire aujourd'hui et demain pour commencer. On verra après votre état de forme. Si vous êtes fatigué, on s'arrêtera vite. Bref, donc, comme pour mes camarades, vous inquiétez pas, je suis enfermé, j'habite juste au-dessus et j'arrive dans cet espace qui est mon mini studio. Par un petit escalier et une cave qui est vraiment limite top secret. Donc je rencontre personne. Contrairement à Guillaume qui exploite son fils ou son beau-fils, pardon, moi, mes enfants, je les ai laissés à la maison. N'est-ce pas, Guillaume? Bref, en tout cas, j'ai mon petit trépied, j'ai mon petit ordi pour répondre à vos questions. On va s'organiser sur 2 temps. Un premier temps où on va se réveiller un petit peu, découvrir notre corps et par le biais des exercices que je vais vous proposer, eh bien, on va dire pourquoi pour le golf je les utilise. Vous allez voir à de nombreuses reprises, et je vais sûrement vous répéter, je vais être un petit peu redondant, on va dire, je vais me répéter et vous dire que cet exercice-là est très intéressant à faire dans votre échauffement ou avant de toucher votre premier club et de votre entraînement. Voilà, et la deuxième partie sera un petit peu plus dynamique. On fera des squats, on fera des choses plus classiques que vous avez peut-être vues ailleurs, à droite, à gauche, dans le monde du fitness. On fera quand même des choses avec des rotations. On fera des choses avec un petit peu d'explosivité, tant bien que mal, dans l'espace que l'on a ici. D'accord? Qui correspond J'ai à peu près 3 mètres sur 3 mètres, hein, ça correspond à un salon, on va dire. Donc c'est vraiment atteignable et faisable pour tout le monde. On finira systématiquement nos séances par un petit retour au calme, pardon, qui consiste à faire un stretching postural. Je vous en expliquerai les bienfaits. C'est un stretching qu'on appelle LDOA, étirements longitudinaux à décooptation ostéo-articulaire. Et vous allez voir, chaque posture, vous allez pouvoir les répéter, et chaque posture cible certaines parties du dos. Je reviendrai plus longuement si vous avez besoin ou répondrai à vos questions. Alors, on va s'organiser de la manière suivante. On ne peut pas, en 30 à 40 minutes, faire toutes les répétitions, toutes les séries de chaque exercice, sinon il faudrait 1 heure ou 1 heure et quart de séance, comme avec mes athlètes, à qui je passe un petit coucou s'ils sont dans le coin, hein, que ce soit mes golfeurs ou mes patineurs de haut niveau également. Je sais qu'il y en a certains qui vont suivre la séance. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 2 séries de 10 répétitions de chaque côté pour chaque exercice. Comme ça va vous permettre de pouvoir ressentir l'exercice. Je vais pouvoir corriger les placements, vous donner des petits conseils. Et puis, tout de suite derrière, on repasse à un autre exercice. Bien sûr, 2 séries de 10 ne suffit pas. Donc quand vous allez reprendre cet enregistrement, ce film, dans la semaine qui arrive, eh ben vous doublez. 4 séries de 12 à 15 répétitions me suffiront amplement, surtout sur les mobilités articulaires. D'accord? Donc 2 fois aujourd'hui, mais 4 séries pour la semaine prochaine et répéter les exercices. Vous pouvez shipper n'importe quel exercice,
le faire le matin en vous réveillant, le soir pour un petit retour au calme. Vu la grande activité physique qu'on a en ce moment par les temps qui courent, de toute façon, on peut répéter plusieurs fois par jour. Bien, je vais commencer par un exercice assez simple qui va réveiller le bas du corps avec une position à genoux, essentiellement pour deux articulations qui apportent dans votre swing de la mobilité, à savoir un petit peu de hanche, un petit peu de cheville. Donc le premier exo, très simple, position du chevalier servant, comme on appelle ça. Je mets les mains pour presser un petit peu sur mon genou. Mon genou est juste en dessous de ma hanche ici. Ma cheville ici est juste en dessous de mon genou. Et là, je vais m'amuser à faire des cercles dans un sens, 5 tours, donc gauche, devant, et intérieur, derrière, gauche, devant, voilà, et le deuxième. Et je presse un petit peu avec les mains pour appuyer et tirer sur le tendon d'Achille. Et de 4, et de 5, voilà, et je change, c'est parti. Normalement, on est censé faire 10 répétitions. Allez, on y va. Intérieur, devant, extérieur, derrière. Position de départ est un petit peu reculée. Intérieur, ça tire un petit peu sur la hanche. Devant, ça tire un petit peu sur l'autre hanche. Extérieur, les adducteurs. Et je reviens à ma position de départ pour revenir. Et on y va. Troisième. Et je vais de plus en plus large. Plus en plus large. J'essaie de garder totalement le pied au sol, le talon également. Hein. J'essaie devant de ne pas décoller. Hein. Après, si ça peut se produire, c'est pas très grave. Et là, on y va. Hop, et on change. Et là, on va appuyer de plus en plus pour aller chercher un cercle beaucoup plus grand. Et on y va. Ça tire un peu sur la hanche, peut-être le bas du dos chez certains. C'est pas très grave. On est juste dans une mobilisation, dans une mise en route. Alors bien sûr, ce n'est pas le genre d'exercice que vous allez faire un genou au sol au practice, hein, on est bien d'accord. Mais avant de partir à la maison, ou si au golf il y a une petite salle de sport, je peux me mettre dans un coin, et ben voilà le genre d'exercice pour me réveiller, me mobiliser. Hop. Et dans l'autre sens aussi. Hop là. J'essaye vraiment de sentir les tensions latérales, internes, et le fessier ici qui travaille un petit peu et qui se relâche surtout. D'accord ? Donc, on recommence. Je suppose que vous êtes chez vous, dans votre salon, en train de faire la même chose. En tout cas, j'espère. Hein, parce que 10h ce matin, il est temps de se réveiller un petit peu. Voilà. Et hop là. Et on passe de l'autre côté. Allez, on y va. Et on force beaucoup plus sur « j'appuie fort ». Et des grands cercles avec de plus d'amplitude. D'accord? Donc là, je vais au maximum, j'appuie. Hop, je vais loin devant, j'essaie de ne pas décoller le talon. Extérieur, ça tire un peu à l'intérieur de ma hanche. Je reviens. Et on y va. Et on réveille un petit peu tout ce bas du corps qui va interagir avec le sol, qui va interagir avec le haut du corps, avec un rôle du bassin, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ok, allez, dans l'autre sens. 5 tours dans l'autre sens. Voilà. Vous allez voir que les tensions ne sont pas les mêmes. On essaye de garder le dos bien droit, bien sûr. Ceux qui sont vraiment à l'aise avec cet exercice, n'hésitez pas à mettre du poids, de la puissance. Moi, certains de mes athlètes le font avec une rondelle de 15 kg sur le genou, hein, ici. Voilà, c'est tout un travail aussi de dorsiflexion. Changement d'angle du tibia par rapport au pied. Ok, ça c'était le premier exercice que je voulais vous montrer, qui est pour le golf, très spécialisé, mais qui peut servir également dans votre quotidien. Vous venez de courir, vous venez de faire une grande sortie en running, ben, n'hésitez pas à redétendre un petit peu tout ce qui est tendon d'Achille, mobilité de la cheville et un peu de hanche. D'accord? Vous commencez à avoir chaud? Allez, on continue, c'est parti. Je vais garder la même position d'un genou au sol. Là, on rentre plus dans le spécifique golf. Je vois que certains s'inquiètent parce que je ne réponds pas aux questions. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour créer de l'action, hein, de vous mettre en action.
C'est vraiment le primordial pour vous, dans votre salon, dans votre petit espace, dans votre bureau. C'est primordial, c'est de découvrir les exercices, mais aussi de les faire. Donc je vais revenir sur vos questions, quitte à le faire après le live, il n'y a aucun problème. Et à la fin de la séance, de toute façon, je vais répondre à des questions. Donc, exercice suivant, j'ai le pied droit devant. Donc, je vais aller poser la main gauche à côté. Voilà. Et puis, je plie mon bras avec le coude devant. Je vais essayer de rapprocher mon coude de mon pied. Voilà. Ici, une fois que je suis dans cette position, je me grandis vers le plafond. Hop. Et je reviens. Et je repars. Allez, je vous ai dit qu'on en faisait 10, deux séries par côté. C'est parti. On s'y tient. Le troisième. Petit à petit, je dois gagner un petit peu d'espace par rapport au sol. Je dois me rapprocher du sol. Hop là, les muscles se relâchent, les muscles se coordonnent. Et on y va. On essaie de ne pas avoir ce genou qui s'en va sur le côté. On le garde dans l'axe, le maximum. Et encore, c'est parti. Là. N'essayez pas de forcer sur cette première série. Mettez-vous en route sur la dissociation, hein, du dos qui tourne. Et puis on cherchera au fil des séries, notamment la deuxième, eh ben, à gagner ici de l'amplitude. Là. Encore. Et un petit dernier. Si ça tire sur votre hanche, c'est pas grave. C'est normal. Hop. On détend un petit peu. Et on est reparti de l'autre côté. Pied gauche devant. Pied gauche devant. Main droite au sol. Mon coude est plié. Je viens ici me rapprocher du sol. Et c'est parti. J'ouvre grand. Je me grandis par la tête. Hein, je n'arrondis pas le buste. J'ouvre grand. Et on y retourne. Et de deux. Je souffle en descendant. Je peux inspirer. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce sens-là, vous respirez dans l'autre sens. C'est un exercice qui cherche à travailler la mobilité thoracique. Hop là. Allez, et on va chercher. Si vous avez un côté pour lequel ça se passe de mieux en mieux, c'est normal. Au contraire, essayez d'identifier le côté qui vous embête. Et c'est celui-là qu'il faudra travailler en priorité, chez vous, à votre bureau, et puis plus tard, ben, au golf, quand on aura le droit de se balader un petit peu plus. Allez encore, on y va, on lâche pas. J'espère que vous êtes en train de faire, hein, sinon je vais ressembler un petit pantin. Il faut vraiment vous mettre dans l'action. Le but de ce live, c'est ça, c'est découvrir des exercices, hein, et puis les faire, les ressentir. Ok, on a fait une fois de chaque côté. On se détend, on se relève. Je vais regarder s'il y a deux, trois petites questions. Voilà. Merci, ben merci à vous surtout d'être là. Merci à vous d'être là. C'est vous qui allez faire ce programme, hein, c'est pas moi. Allez, on y va, on y retourne. Pied droit devant, main gauche au sol. On est installé, le coude plié. Je me grandis, je me grandis. Et on y va. Je descends. Et de 1. Et le deuxième. Et le troisième. Et de 4. Ça tire sur les fessiers, c'est pas grave. Et de 5. On est sur une zone thoracique, hein, qui apporte de la mobilité, qui est ce milieu du dos. Qu'on va relâcher petit à petit. Et de 7, 8, j'en grandis, allez, 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 j'en grandis. Et 9, là-haut, je tire. Et le dixième. Ok, je relâche. Si vous êtes gêné par vos hanches, n'hésitez pas à vous remettre debout entre chaque série, à vous mettre un genou comme ceci. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'être confortable et de chercher cette rotation, dissociation du haut du corps. Il nous en reste une. Allez, on ne la mange pas celle-là. Pied gauche devant, égale main droite devant. Au sol, c'est parti. Coude plié. Et on est parti.
C'est la deuxième série, réveillez-vous. Il est temps d'aller chercher un petit peu plus loin en bas, un petit peu plus loin en haut là. Allez, et 3. Je ne vous ai pas dit, mais je ne savais pas compter, hein. Il va falloir m'aider. Mes athlètes le savent déjà. 5. Allez, on y va. Encore, je vais chercher en bas avec mon coude. Si vous touchez le sol, c'est parfait. À condition que votre genou ici ne parte pas vers l'extérieur. Et on y va encore. Allez, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je tire sur ce bras, j'ouvre les épaules. On a tendance à réfléchir par les bras, mais réfléchissez, tournez par la ligne des épaules. Hein. Allez, un petit dernier. Hop. Et on se détend. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petite question? Eh oui, je vous tourne le dos, je suis désolé. Je vais répondre à d'autres questions juste après. Ensuite, on garde cette idée de dissociation qui est primordiale pour le golf, même si certains d'entre vous peuvent être assez rigides, hein, entre bassin et épaule, à savoir, ben, je change de quelques degrés, ben, mes épaules suivent. Et je change de quelques degrés, mes épaules suivent. Ce que j'appelle les hyper-associés ou les gens associés, c'est pas très grave. Le but du jeu ne va pas être de les rendre hyper souples en torsion. Le but du jeu va être de les aider au niveau du dos. D'accord? L'exercice suivant, la même famille. C'est un exercice que j'apprécie. Tous mes champions y sont passés. Ils ont ça dans leur routine également. C'est un exercice, cette fois-ci. Allons-y, on peut s'échauffer avec cet exercice-là dès l'arrivée au practice, dès l'arrivée à votre golf club. Ok? On l'appelle l'exercice du A. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est bon? Allez, je m'encule un petit peu. Je vais venir mettre mon avant-bras entre coude et paume de main, coincé entre mes deux genoux. Et j'insiste sur le fait coincé entre les deux genoux. Hein, c'est pas juste posé dessus. C'est vraiment, je coince parce qu'avec mes deux genoux et mes deux jambes, je vais avoir une action de fermer, une action de presser, d'accord? De façon à rendre le bas du corps solidaire et activer tous les muscles, soit quadriceps, fessiers, un petit peu d'abdos, mais pas trop. Et vous allez voir que la rotation qu'on va demander en haut, si vous ne pressez pas, si vous n'avez pas un bas du corps compact, eh ben, de toute façon, vous n'irez pas très loin dans la rotation. Ok, allez, je mets ma paume de main à l'intérieur du genou et le coude à l'intérieur. Petit défaut où on a l'habitude d'arrondir le haut du dos. D'accord? Donc encore une fois, on essaye de se grandir, toujours avoir ce dos le plus droit possible. Je presse avec mes genoux, ma main droite est libre, donc je vais toucher ma pointe de pied gauche. Et on y va. Je vais là-haut. Je vous avais dit, on est dans la même famille. Hop, et je continue à presser. Attention, on réajuste si besoin. Allez, le troisième et on y va ensemble. Et le 4. Je continue à me grandir par le buste. 5. Allez, on accélère un peu. 6. Je trouve fort mes épaules. 7. Je relâche. Si je dois aller un petit peu plus loin, je peux aller un petit peu plus loin. 8. 9. Et 10, je me grandis encore. Hop, je relâche. Si vous avez des petites tensions sur le bas du dos, c'est que vous avez un dos soit arrondi, soit un fessier un petit peu trop haut. Fléchissez davantage sur les jambes. Vous allez voir que ça va relâcher toute la zone lombaire. On est parti. Paume de main, coude. On le fait de profil pour voir un petit peu. Donc, intérieur, je pince, je vais toucher main gauche libre, pied droit. Et on est parti. 1, vous voyez, là je suis un petit peu trop haut. Merci la caméra. Et 2. Et je continue à me grandir par la tête. 3, ce que j'avais oublié aussi. Hein. Et 4. Allez, on y va. Et 5. Je continue à me grandir par le buste. 6. Je touche mon pied. 7. 8. Allez, encore 2.
Je grandis. C'est parti. Et 10, ok? Certains d'entre vous, vous avez du mal à presser. Au bout de 7, 6 répétitions, on a du mal. C'est pas grave, réajustez, repositionnez votre avant-bras, d'accord? L'important, c'est d'avoir ce bas du corps hyper compact, d'accord? Créez quelque chose de stable, ça va vous rappeler quelque chose. Créez quelque chose de stable pour pouvoir tourner. Et puis des fois, on fera le contraire, d'accord? Allez, il nous reste il y a des petites questions. Merci Guillaume. À bientôt. On y va. Il nous reste une de chaque côté. On arrête de discuter et on met un peu de rythme maintenant. D'accord? Allez, c'est parti. L'autre, pardon. Paume de main coincée à l'intérieur du genou, coude à l'intérieur. Je descends un peu et on y va. Hop, je me grandis par la tête. Dos le plus droit possible. Je ne vois personne avec les épaules arrondies, avec le dos arrondi. Et c'est parti. Allez, du rythme. Allez, encore un petit peu. Et on se grandit. On se grandit encore là-haut. Hein? Par les épaules. Je sors le torse ici. Je presse les genoux. Et on y va. Hop là. On relâche le bas du dos et on y retourne. Dernière série. Voyez que ce nombre de séries qui est de 2, là on découvre, on n'a pas un temps extensible, mais la semaine prochaine, quand vous allez reprendre cet exercice, c'est 4 séries de chaque côté à faire. Allez, on est parti. Coude à l'intérieur, paume de main à l'intérieur. Je me grandis, je pousse la tête vers l'avant, je m'assois un petit peu. Et on y va. Main gauche de libre, pied droit. Allez, on enchaîne. On accélère un petit peu. Maintenant, vous connaissez l'exercice. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Et 9. Et 10. Et on relâche. Sans regarder les questions, je suppose qu'il y en a une qui va arriver très rapidement, qui est très simple. Est-ce que je dois tourner la tête avec le mouvement ou garder la tête orientée vers le bas? Vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez au mieux. Il faut être dans une position confortable. Je préfère quelqu'un qui gère la rectitude de son dos. Donc, quelqu'un qui réfléchit sur sa tête. D'accord? Allez, petite pause. Un petit peu d'eau. Tout le monde a sa petite gourde. Tout le monde a sa petite bouteille d'eau. C'est bon? Allez, hop. Bon, vous n'êtes pas obligé de tourner au café, hein. Le café, c'était ce matin. Ensuite, on va avoir un exercice un peu plus dynamique. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Sinon, j'y reviendrai. Non, je n'ai pas une souplesse de jeune homme, cher Frédéric. Désolé. Eh oui, ça, je me fais vieux. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. On verra ça après, à la fin ou demain matin à la reprise. Hein, je commence à être un peu vieillot, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très grave. Allez, nous on est là pour bosser. L'exercice suivant, très simple à mettre en œuvre. Je vais mettre en quadrupédie, pieds et mains. D'accord? Si j'ai les genoux un peu déverrouillés, si comme moi vous manquez un peu de souplesse sur les ischios, c'est pas grave. Sinon, jambes tendues. Et puis là, je vais aller avec une main, par exemple la main droite, je vais aller chercher l'extérieur de mon pied gauche. Hop, je repose. Et je vais chercher l'autre côté. Hop, je repose. Et je vais chercher l'autre côté. D'accord? Donc, on va faire des séries de 10. La principale erreur dans cet exercice, elle est très simple. C'est que je ne travaille qu'avec mon bras sans tourner les épaules. Je travaille avec mon bras sans tourner les épaules. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher en tournant fort les épaules. D'accord? On est toujours dans la même famille d'exercices, la dissociation. Le bas n'est beaucoup moins maintenu, bien sûr. Mais je dois faire l'effort d'abord de tourner les épaules avant d'aller chercher mon pied. D'accord?
Allez, on y va. Et on y va, let's go. 10 de chaque côté. Allez, 1, 1, 2, 2, 3. Je vais chercher avec les épaules. 3, 4, 5, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Allez, encore un petit peu. 9, 9, 10, 10. Ok, sur ce rythme-là, c'est impeccable. Si en plus vous allez le faire 4 fois la semaine prochaine, hein, 4 séries, c'est parfait. Attention à une petite chose aussi. Comme moi, vous avez l'habitude de voir que ben, plus j'accélère, plus je fléchis. D'accord? Donc corrigez toujours cette position des jambes pour non pas être en flexion, mais juste genou déverrouillé. D'accord? Donc ça, c'est une flexion. Ça, c'est un genou déverrouillé. Ça, c'est un genou verrouillé. Ça marche? Si vous êtes capable, avec votre souplesse des muscles de la chaîne musculaire postérieure, là, c'est-à-dire lombaire, fessier, ischio et mollet, si vous êtes capable d'avoir les jambes tendues, allez-y, faites-le. D'accord? Mais pas de flexion. Allez, on y retourne. C'est parti. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on accélère les épaules vers l'intérieur. 5, 6, 6, épaules vers l'intérieur. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. OK? Voilà, surtout sur cet exo-là, retenez une chose. Je dois passer les épaules en dessous et à l'intérieur. Je dois tourner mes épaules. D'accord? Ce n'est pas que un travail d'extension de bras et de ramener de bras. Ça marche? L'exercice suivant, je vais juste vous le montrer de façon à ce que on travaille un peu de proprioception. D'accord? Même famille, travail de dissociation, même groupe d'activité, bas du corps, haut du corps, dans des angles complètement différents. Mais on va cette fois-ci mettre la proprioception en jeu. La proprioception, c'est jouer avec les équilibres. Alors, je vais juste vous le montrer rapidement, vous pouvez le faire en même temps que moi. Je suis en appui quasi à 100%, 98% sur ma jambe gauche. D'accord? Pointe de pied derrière, de façon à assurer le petit équilibre. Si vous êtes capable de décoller cette pointe de pied, hein, d'être là, pas de problème. Par contre, il va falloir assurer un buste vers l'avant. Ici, buste vers l'avant. Petite pointe de pied s'il y a besoin. Et là, je vais devoir faire un travail de rotation du haut. Là. D'accord? Alors, celui-ci, moi, je l'aime bien, soit avec un club, soit, pardon, excusez-moi, avec un stick. D'accord? Stick de bois, plastique, ce que vous avez à la maison. Hein, vous voyez, c'est. D'accord? Mais le club, généralement, on l'a à portée de main. Et puis, je vais le poser ici. OK? Sur la ligne des épaules. Et on y va. Là, je fléchis, pointe de pied, je tourne très loin, hop, je reviens, j'ouvre de l'autre côté, je reviens, je tourne très loin. Pareil pour la tête, si vous sentez plus l'exercice en tournant la tête, il n'y a pas de problème. D'accord? Encore une fois, faites très attention. Ici, je ne veux pas avoir des gens qui arrondissent le dos pour tourner. Hein, on essaye de limiter ça si on exprime ça. Ça marche? Donc c'est plus ici. Et je tourne très fort. D'accord? Et hop, de l'autre côté. Petit point positif de cet exercice. Il met en action énormément les fessiers pour libérer, pour fixer le bas du corps. D'accord? J'étais déjà dans ma percée suivante, libéré de la vitesse. Je ne vous apprends pas, en tout cas j'espère, que les fessiers avec les copains, les abdos, sont les deux muscles générateurs de vitesse et de vitesse rotatoire. D'accord?
Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, sans faire de l'anatomie très poussée, les fessiers sont les seuls muscles au niveau du bassin, gravés sur le bassin, en direct sur le bassin. D'accord? Leur action dissociée dans le swing, on y reviendra, mais l'activation des fessiers pour pouvoir accélérer, elle est primordiale. D'accord? Quelqu'un qui a un petit déficit de force sur les fessiers, qui compense par les ischios ou par une force de jambe, c'est quelqu'un qui aura du mal à gagner en vitesse rotatoire. Et si je vais dans le camp des coachs, hein, mes trois acolytes qui sont en live cette semaine avec nous, eh ben, ça veut dire que je vais avoir du mal à gagner de la vitesse de tête de club dans la balle. OK? D'où l'apparition de certains petits outils, hein. Super Speed Golf, vous savez, ce shaft avec une masselotte de différents poids, avec un certain protocole, on en reparlera si vous le voulez. Voilà, ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que moi, personnellement, en tant que préparateur physique, je réinvestis ça avec une des exigences de maintien au niveau des fessiers, de maintien au niveau des angles. Hein. Là, on est sur une seule jambe, ça va brûler très très vite. Donc, ce maintien ici, il ne peut être qu'assuré de façon efficace. Il ne peut être vraiment compétitif, entre guillemets, quel que soit votre niveau de jeu, que si vous êtes capable de mobiliser vos fessiers. Donc de les avoir travaillés un petit peu. Juste petite parenthèse, et après on va se remettre à travailler. La position assise, celle qu'on utilise le plus dans notre quotidien. Hein, je suis assis quand je mange, je suis assis quand je conduis, je suis assis au bureau, je suis assis blablabla. Je suis beaucoup plus souvent assis que debout dans une journée normale. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe si je prends la position assise? C'est une position passive avec un fessier détendu, hein, avec une grande longueur. Donc, le signal qui est donné au cerveau, c'est j'ai un petit fessier, un moyen fessier, un grand fessier qui ne travaillent plus ensemble. Ils ne sont pas coordonnés. J'ai un fessier qui est complètement inhibé. Ok? Donc, ce genre de petits exercices, hein, où je mets en jeu l'équilibre. Et donc, résoudre l'équilibre, c'est les fessiers, eh ben, va vous permettre de mieux sensibiliser l'action du bassin dans votre swing. OK? On y reviendra. Si vous avez des questions, j'y répondrai de toute façon là-dessus. Cet exercice, je voulais juste vous le montrer. Il nous reste très peu de temps. Donc, on va passer à deux derniers exercices. Un premier qui est parmi mes exercices fétiches. Un petit retour au calme. On va être sur un étirement postural. C'est pas du Eldoa comme on va faire après. D'accord? C'est un étirement postural que je peux tout à fait faire juste avant de prendre mes clubs et d'aller sur le parcours. Et que je peux surtout faire quand je finis mon parcours, quand je finis mon entraînement. Je dois absolument faire en sorte que mon dos recouvre un tonus musculaire normal. Avec sans contraction, malgré toutes les rotations et les accélérations que j'ai fait avec mon dos. D'accord? Donc, ce petit exercice est un des exercices qui, pour moi, me permet de voir où sont mes athlètes, où sont mes champions, quel que soit le niveau de pratique. Hein. Attention, hein. Mais de voir un petit peu comment se passent les bras par rapport au dos, et ainsi de suite. Donc, je suis en posture de golf. Hop, je descends un petit peu le bassin. Et d'un seul coup, je tends les bras et je les monte dans l'alignement de mon corps. Et là, je vais tirer, 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 tirer là-haut. D'accord? Donc, de face. Allez, hop, posture de golf. Je sais, la mienne est perfectible. Merci pour les commentaires. Hop, je descends un petit peu. Et là, bras tendus. Je tire vers le plafond, le sol, le ciel là-haut, 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 là-haut. D'accord? Si par hasard vous avez des bras qui n'arrivent pas jusque l'alignement de votre corps, pas grave. Faites votre maximum. Faites la position qui va étirer l'arrière de votre épaule, votre grand dentelé et tout ce qui est la partie dorsale. D'accord? Je ne rentre pas dans l'anatomie, hein, avec tous les noms de muscles, mais hop, là, et on y va. OK? Allez, maintenant on le fait, c'est parti. On va tenir 30 secondes. On va le faire deux fois. Et on essaye de tirer, pardon, son dos au maximum et d'avoir une respiration plutôt naturelle. Pas de respiration bloquée.
Allez, prêt, hop, je descends, je suis en posture de golf, je descends un petit peu plus. Hop, les bras là. Et on y va. Je tire. 2, 3, 4, je souffle normalement, je ne bloque pas la respiration. 7, 8, 9, je continue à me grandir, je ne relâche pas les épaules se rapprochent des oreilles. Hein. 12, 13, 14, 15, allez encore, on touche le plafond là-haut. 16, 17, 18, 19, 20, encore 10 petites secondes. Allez, je sors encore les épaules, on y va, on fait l'effort. Allez, on serre un petit peu les fessiers, les abdos pour tenir. 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on relâche. Ok? Je vous rassure, même les champions que j'ai, les champions de très bon niveau ou joueurs professionnels, n'aiment pas cet exercice. Ils ne l'apprécient pas. Par contre, ils apprécient de l'avoir fait après. D'accord? Dès que je leur montre, ils se disent: Ah non, pas celui-là, pas encore celui-là. Mais moi, ça me permet de voir l'état de forme, où en sont les bras et surtout le tonus musculaire au niveau dorsal. Allez, on est reparti. C'est parti. On y va. Posture de golf. Je descends. Je place mon bassin. Et c'est parti avec les bras tendus là. Allez, go. 1, 2. Allez, je sors les épaules vers les oreilles. Je relâche un petit peu la tête. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Je continue à respirer correctement. Hein, on ne bloque pas la respiration. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, on réajuste les épaules. 21, 22. On lâche la nuque, on réajuste les épaules. 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. OK? On l'a fait deux fois. Il faudra le faire quatre fois la prochaine fois. D'accord? Vous allez voir qu'au niveau des abaisseurs du bras, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Baisser les bras. Les abaisseurs du bras, la partie dorsale et latérale. D'accord? Vous allez vous sentir davantage relâché, décontracté. Vous allez récupérer un tonus que vous aviez avant de jouer au golf. D'accord? Je vous rappelle que ces forces élastiques qui sont mises en jeu dans ces rotations dissociées amènent des contractures et parmi vous, vous avez dû sûrement ressentir ces petits blocages, soit au centre du dos, soit en bas à droite ou à gauche, en fonction vous êtes droitier, gaucher. OK? Donc, on va passer maintenant sur une dernière posture. Je vais répondre à quelques questions après, ne vous inquiétez pas. Une dernière posture, comme je vous l'ai annoncé au tout début, c'est la famille des L-Doha. Des étirements posturaux qui ciblent certaines vertèbres. À chaque posture, on vise deux vertèbres et le disque qui est au milieu. D'accord? Pourquoi des cooptations? Parce qu'on vise par la répétition de ces postures. Hein, une fois n'est pas un miracle. Deux fois, trois fois. Moi, personnellement, quand on découvre, je fais toujours trois fois 30 secondes. Et puis, on arrive très rapidement à quatre fois une minute. C'est des choses qui, dès que vous avez appris la posture, est très facile à réinvestir au quotidien chez vous. Pour l'instant, ce n'est que chez vous, mais après, peut-être au bureau, peut-être pendant les voyages, si vous en avez, pendant les vacances surtout. D'accord? C'est des postures qui, une fois qu'on les a apprises, on cerne mieux la partie du dos et les vertèbres du dos qui sont ciblées, et on essaye de jouer sur cette pression qui est faite par les deux vertèbres sur le disque. D'accord? Donc L-Doha, E-L-D-O-A. Vous avez par exemple une que j'apprécie particulièrement, qui est un genou au sol, but du jeu, verrouiller le bas du corps. D'accord? Et puis ensuite, je me grandis au niveau de la colonne vertébrale. Je dois absolument garder cette rectitude ici, très droite. Je vais avoir tendance à aller vers l'avant. Pourquoi? Parce que dans les doigts, on a toujours une position de bras qui est la même, je vais vous la montrer de face, qui est extension des bras, mais surtout rotation externe des mains. OK? Pour établir une tension sur toute la chaîne musculaire. Si je reste ici, j'ai aucune tension sur les avant-bras, donc l'épaule ne va pas être sollicitée comme il le faut. OK? Donc, on est là.
un genou au sol, la rectitude, je vous rappelle l'image du stick, bras tendus devant, les épaules sortent ici, et puis je tourne les mains. Si je me mets face à vous, là, là, c'est la posture de départ. D'accord? Maintenant, repositionner, bien droit, main devant, je tourne, et puis là, je vais pousser le mur imaginaire le plus loin possible devant moi, en sortant les épaules devant, et souffler très fort. Allez, on est parti. Je garde les mains, je sors les épaules, je corrige ma tête, je pousse ici le plafond. Allez, encore un petit peu. 10 secondes, allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. D'accord? La principale raison d'avoir choisi cet exercice, cette posture, c'est qu'on a travaillé ici des dissociations qui font appel à la mobilité thoracique de ces vertèbres-là. D'accord? Donc, on est pile poil sur l'étirement de cette zone-là. D'accord? L'étirement d'avant est complémentaire de celui-ci. Celui-ci est un L-Doha, l'étirement d'avant n'est pas un L-Doha, il est un stretching classique. On va passer sur une nouvelle répétition. Si vous souhaitez ici changer le pied devant, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Là, si vous êtes plus à l'aise, voilà, comme garder le même pied. L'important, c'est d'avoir une posture très stable du bas du corps qui vous permette de vous grandir. Excusez-moi de me répéter, mais j'y tiens. Je me grandis. Et puis là, je vais avoir une action d'éloignement de mes épaules et mes bras. D'accord? Allez, là, je tourne, je me grandis, je pousse le plafond. Et on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne remonte pas les épaules, hein? On fait attention. On relâche et on pousse loin devant. 10, 11, 12. Je suis continué à être droit, bien droit avec le buste. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça doit être désagréable. C'est un étirement. Ça doit être légèrement désagréable. Et 30. Et on relâche. OK ? On l'a fait deux fois, il faudra le faire quatre fois. Toujours la même histoire. Donc, je vous donne des repères. Maintenant, ces repères sont discutables hein, en fonction de vos niveaux, en fonction de vos niveaux de pratique physique, mais de vos habiletés motrices également. D'accord ? Donc tout ça, ça peut être modulé. Maintenant, le repère que je vous donne pour la semaine qui arrive, c'est 4 séries, c'est-à-dire qu'on double tout ce qu'on vient de faire, de 12 à 15 répétitions, comme je vous l'ai dit au début, 4 séries de 12 à 15 répétitions. Ok ? On a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Je vais répondre pendant 5 bonnes minutes à quelques petites questions. Alors, je vais retourner au début, hein, parce que je n'ai pas regardé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop. Merci pour les compliments, merci, mais ça je vous répondrai. Hop là, merci, top la dissociation. Alors la dissociation, elle n'est top que quand je la travaille, hein. Je préfère le repréciser. On a des tensions musculaires par la vie quotidienne qui font qu'on se verrouille par certains endroits et que par le golf par exemple, eh ben, je verrouille une rotation d'un côté plutôt que de l'autre. D'accord ? Par exemple, on a beaucoup réfléchi aujourd'hui sur des dissociations du haut du corps. Je vous ai fait beaucoup travailler par une rotation du haut avec un blocage du bas. L'inverse doit être travaillé également. L'inverse, c'est bloquer le haut et pouvoir aller tourner un petit peu le bas du corps comme j'en ai envie. Avec toute forme de travail, on peut travailler au sol, sans poids de corps, je veux dire, sans artifice, mais on a aussi des sangles aujourd'hui, des élastiques qui sont faits pour ça, hein, vous verrez sur les réseaux, vous avez, voilà. Mais l'inverse est tout à fait vrai, et il faut travailler les deux sens, quel que soit votre niveau. Un spécifique pour gagner en club speed. Est-ce que cela paraît improbable de gagner 4 à 5 miles à court ou moyen terme? Alors, ce n'est pas improbable du tout, d'accord?
Maintenant, 4 à 5 miles par heure, c'est bien des... Oui, c'est ça, c'est pas des kilomètres heure. Ça ne se gagne pas comme ça en 2 secondes. D'accord? Mon premier angle en tant que préparateur physique, il est clair. C'est si je travaille les zones que j'ai pu identifier comme étant un petit peu faibles pour le club speed, c'est-à-dire la dissociation. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Demain, on va parler peut-être des hanches. Hein. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, la relation entre le fonctionnement d'une hanche et puis le bassin, tout ça, les 3D, les rotations, et ainsi de suite. Hein. C'est assez complexe dans le swing de golf, les coordinations droite-gauche. Maintenant, c'est un travail continu il va falloir vraiment s'inscrire, Damien, s'inscrire dans un travail quasi quotidien, si tu veux vraiment, en un mois à un mois et demi, pouvoir gagner 4 à 5 miles par heure. Mais attention, c'est pas que le travail physique qui va faire que tu vas gagner de l'autre côté tout de suite, un mois et demi, 4 à 5 miles par heure. Je me fais bien comprendre. Le corps, il faut soit le dénouer à certains moments, soit lui apprendre à performer davantage, d'accord, après avoir identifié ce que j'ai le plus besoin. Donc si toi, Damien, tu as besoin de plus de dissociation, parce que c'est des dissociations dont tu as besoin, je pense que ça va venir très rapidement si tu travailles régulièrement. Par contre, si c'est un travail d'accélération du bassin, c'est un petit peu plus compliqué, surtout à réinvestir dans le swing de golf. On va pouvoir faire des travails de rotation, de jump en rotation sur des box, hein, vous avez tous vu ça. Bien sûr qu'on va pouvoir améliorer. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. Et puis, j'ai déjà vu hein, des athlètes, quel que soit le niveau, encore une fois, hein, je ne parle pas que de la performance, qui gagnent 4 à 5 miles par heure. Au jour d'aujourd'hui, les outils qui sont arrivés, dont je vous parlais tout à l'heure, Super Speed, excusez-moi d'en faire la promotion, mais c'est pour moi un outil incontournable par rapport au corps du golfeur. C'est quelque chose qui vous apprend d'un point de vue neuromoteur à vraiment transmettre l'information de c'est quoi la vitesse en rotation au golf. Voilà, excusez-moi d'être assez primaire dans ce que je dis, mais par les protocoles qui sont donnés par les Super Speed Golf, le corps réapprend à se coordonner et donc réapprend à mieux utiliser les cohérences entre agoniste, antagoniste, muscle ceci, muscle cela, les différents étages. J'ai entendu parler Lewis sur les différents étages avec la séquence cymatique, c'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux 4 à 5 miles par heure avec une séquence cinématique, comme Lewis l'a expliqué, je crois que c'était hier, si je ne dis pas de bêtises, ou avant-hier, peut-être que je fais une erreur, c'est d'abord la séquence cinématique qu'il va falloir essayer de corriger. Et puis, identifier ce qui fait que la séquence cinématique ne fonctionne pas correctement. D'accord? On pourra en reparler demain. Et puis les outils Super Speed, vous trouverez ça sur les réseaux sociaux. D'autres questions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les courbatures? S'il vous plaît, pour la énième fois, acceptez vos courbatures. C'est normal qu'on ait des courbatures. Si vous avez des courbatures, c'est que votre corps a fait le job. Votre corps a bossé. Il a digéré, il a appris des choses physiquement, soit par les poids de musculation, soit par les exercices comme on vient de le faire, soit par des répétitions. D'accord? D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre que les courbatures sont vraiment logiques. C'est physiologique. D'accord? Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez que un des nerfs, si ce n'est le nerf de la guerre pour la performance, c'est mieux récupérer sa séance pour pouvoir retourner en séance le plus vite possible. Je m'explique. Au jour d'aujourd'hui, avoir un vrai protocole de récupération, d'accord, de récupération physique après un effort physique, c'est incontournable. Et je ne parle pas que de la performance. Vous jouez deux fois semaine, vous entraînez deux fois au practice, vous avez toujours des petites douleurs, des petites choses comme ça. Aujourd'hui, on a les outils et les connaissances, bien sûr, avant, mais on a les outils comme les balles de massage. Il y en a un là qui s'appelle le foam roller, un rouleau de massage, c'est les automassages. Il y a cette famille-là à explorer. D'accord? Ça, c'est hyper intéressant. C'est des incontournables aujourd'hui. Automassage. Je pense aux outils que j'ai pu ramener des États-Unis, mais qui maintenant sont disponibles en France, qui sont les pistolets de massage, massage gun, quelle que soit la marque. Les balles de massage, explorer aussi sur Internet tout ce qui s'appelle trigger point. D'accord? C'est vraiment hyper important.
On a de l'autre côté tout ce qui est cryothérapie qui peut vous aider, d'accord? On a aussi tout ce qui est pressothérapie. Vous savez qu'aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, ça c'est vraiment, le prix est vraiment descendu, on a des bottes qu'on enfile avec des systèmes de presso, d'accord, avec un petit terminal branché sur le secteur, qui fait qu'on récupère mieux et plus vite. J'ai vu un bon nombre maintenant de joueurs français professionnels qui se sont achetés ça et qui l'utilisent, voire même le partagent. D'accord? Donc ça, pour fédérer le coup et ainsi de suite. Mais ça, c'est des vraies stratégies. Et après, je vous rappelle une chose, on ne fait jamais, moi le premier, assez d'étirements pour récupérer. On peut parler de la guerre des chapelles sur les étirements, il y en a qui disent que c'est bon, c'est pas bon, avant, après, matin, midi, soir, la nuit, aussi pendant qu'on y est, enfin bref. Non, faites-en, faites des étirements, ciblez les endroits qui vous dérangent le plus, et vous verrez, ça va déjà enlever quelques courbatures. Bien, j'ai fait le tour de quelques questions, hein. On peut rester beaucoup plus longtemps à répondre. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur ce live, il n'y a aucun problème. Et puis j'y répondrai tout au long de la journée, sans problème. Il est 10h50, on a largement dépassé notre timing. Merci Journal du Golf. On se revoit demain à 10h pour une séance ici encore. J'espère que vous avez pu apprécier et voir les exercices. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Sur les notifications, il n'y a aucun problème. Demain, 10h, en live pour le Journal du Golf. Et puis, une petite conclusion, tous les soirs à 20h. Merci à tous les personnels médicaux, soignants, paramédicaux, qui font un boulot extraordinaire en ce moment, avec les moyens qu'ils ont, c'est clair. Mais n'oubliez pas, 20h à la fenêtre, et on met le bruit, on met les applaudissements en route, à fond les ballons pour les remercier. On ne les remerciera jamais assez, mais je pense qu'on s'en rendra compte, excusez-moi, avec l'émotion, jamais assez. Mais 20h, on applaudit. Et demain, 10h, pour notre séance suivante. Allez, j'espère que vous avez apprécié ces exos. N'hésitez pas à les refaire. Et à demain, 10h. Ciao!